Et salut à toutes et à tous, c'est Chrono et on se retrouve pour l'épisode 19 de Crisis Core Final Fantasy 7. J'ai la patate, sauf que j'ai pas de coca, mais ce n'est pas si grave. Et là on est parti pour l'épisode 19, la deuxième partie de la quête du chariot à fleurs d'Aeris, même si le premier chariot qu'on a construit faisait partie de la quête principale, ce n'était pas une quête annexe. Mais par contre le reste, les autres chariots à construire, fait partie des quêtes annexes et sont reliés même à des missions annexes. Même si genre pour les espions du Wutai on n'était pas obligé de faire les missions correspondantes. Même si je les ai fait en off histoire de me renforcer. Donc c'est ça se voit ici dans l'unité croissante, je les ai toutes faites. Histoire de dire de me renforcer, je suis passé niveau 27. J'ai gagné des équipements et des matérias. En matériaux, je ne sais plus trop ce que j'ai gagné. On va bien voir. Là je ne vois pas. Je ne sais. Ah, peut-être cycle arsenic, genre. Enfin, genre truc, mais j'ai gagné des trucs, j'ai gagné des équipements aussi. Bon, rien de bien. Pas de truc de ouf, mais. Ah, si, j'ai eu ça. Ajoute top aux attaques et à certaines techniques. Donc c'est pas mal, et ce qui fait que je suis niveau 27 maintenant, avec 7312 de PV. J'en ai beaucoup, mais c'est grâce à mes matériaux, principalement. Et donc là, on va pouvoir continuer les missions. C'est la dernière fois, on avait construit le premier chariot à Aeris, on avait fait aussi des quêtes annexes, qui débouchaient, enfin, il y en a une, c'était avec les miliciens. On veut faire des missions, de s'affronter contre les miliciens. Là, on veut faire toutes les missions pour ensuite reparler aux miliciens et qui nous donne l'objet correspondant à la quête. Et après, on avait fait les 6 sessions du Wutai. Par contre, on n'était pas obligé de faire les missions, mais comme je vous l'ai dit, je les ai fait en off. Mais dès qu'on a trouvé les 6 espions, on nous donne un objet pour construire le chariot. Et là, il faut aussi parler à ce soldat de 3ème classe pour débloquer des missions. Et tu dis faire partie du soldat? Désolé chef, je crois que tu ne comprends pas ce que faire partie du soldat veut dire. Tu devrais commencer à y réfléchir. Qu'est-ce qu'il se passe? Ta tête ne me dit rien. Bah en même temps quand tu veux que sa tête te dise quelque chose, il a un putain de casque sur la gueule. Et si t'arrives à reconnaître quelqu'un juste avec le bas de son visage, bon à part s'il y a un signe qui te permet de le reconnaître, genre un gros bouton, genre un autre truc. C'est pas possible normalement. Enfin bon, je m'enflamme un petit peu pour rien. Moi c'est Zach, ravi de te connaître. Oui chef, je rejoins le soldat le mois dernier. Mais je fais tout de travers et je gêne les autres à chaque fois. C'est pour ça qu'il me sermonnait. Ne te laisse pas abattre par quelques erreurs, ok? Sois fort, tu fais partie du soldat. Mais il a dit qu'il allait me virer si je faisais encore une erreur. C'est cuit. Allez, ressaisis-toi, sois un homme. Je sais mais... T'es trop angoissé. Tu sais quoi? Je vais faire la prochaine mission à ta place. Quoi? Vous feriez ça pour moi? Mais ne le dis à personne. Regarde-moi faire et apprends. C'est compris? Oui, je vais essayer. Et donc là, on a débloqué des nouvelles missions. Par contre, je ne sais plus c'est lesquelles. Enfin, on a débloqué une nouvelle mission qui va déboucher sur d'autres missions. Non, ça va pas être ça. Non, ça m'étonnerait, c'est peut-être en compagnie Shinra. Bon, je sais plus, mais de toute façon, je vais les faire, je vais regarder pour voir exactement dans quelle section. Soit je sais pas, je sais pas du tout. Donc je vous dis à tout de suite hein, pour vous. Je vais faire toutes ces missions là pour ensuite débloquer ce qu'il nous faut. Voilà. Donc voilà, c'est bon, j'ai fait toutes les missions. Donc en fait, c'était. Je savais plus c'est quoi, c'est dans la catégorie recherche d'objets rares et c'est mission de récupération. Et donc j'ai tout fait. Bon, j'ai pas gagné de niveau, j'ai gagné deux petits trucs, mais bon, pas des trucs super méga intéressants, mais bon. Là l'objectif c'est surtout de faire l'émission à la place de ce soldat. Je suis vraiment un bon à rien. Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous m'avez beaucoup appris, Isaac, mais je fais encore tout de travers. Je crois que je ne suis pas fait pour le soldat. Allez, ressaisis-toi. Où est passé le garçon déterminé de la dernière fois? J'ai décidé de quitter le soldat et de rentrer chez moi. J'ai appris que tu quittais le soldat. Oui, désolé pour tous les problèmes que je vous ai causés. As-tu trouvé ce qui était le plus important pour être un membre du soldat? Non, jamais. Mais je sais ce qui m'a fait tenir le coup jusqu'ici. J'avais un rêve. Je pensais qu'un jour je serais un membre du soldat comme Zack. C'est le rêve qui m'a fait tenir. Il y a une chose que mon mentor me disait toujours quand j'étais un bleu. Il me disait de vivre mes rêves. Vivre ses rêves? Mon mentor m'a aidé pendant mes missions comme Zack l'a fait avec toi. Une minute. Est-ce que ce mentor serait... La chose la plus importante pour être membre du soldat, c'est... de vivre ses rêves. Mon mentor m'a appris ça. Et vivre ses rêves. Et là, on a les roues neuves. Et il fait des accomplissements comme moi. Ok, je vais vivre mes rêves. Je vais rester ici et essayer de devenir un membre soldat comme vous. Il va falloir que j'en fasse des accomplissements. Mon premier objectif est de 1000. Et donc voilà. Puis après là, il nous manque encore une quête annexe. On n'est pas obligé de faire des missions pour cette quête. C'est comme les 6 sessions du Wutai, mais je vais d'abord trouver la première personne pour introduire cette quête. Petite ellipse. Donc voilà, nous sommes au secteur 8 de Midgar pour débloquer la première mission en fait que j'ai déjà débloquée. C'est la mission qui s'appelle Prologue. En fait, faut lui parler. On va lui reparler. Je l'ai déjà parlé. En fait, ça débloque des missions. C'est des personnes comme ça, voilà, qui vous donnent des missions. Et je crois qu'il faut en faire qu'une. Enfin, je sais pas s'il faut toutes les faire. Bon, je les ferai sûrement toutes en off toujours. Mais bon, voilà, c'est des personnes comme ça qu'il faut parler, qui vous donnent à chaque fois une mission. C'est pas vraiment relié. C'est pour débloquer des monstres dans la catégorie monstres à Midgar. Ouais, voilà, on l'a déjà parlé. Donc maintenant on va chercher la deuxième personne. Je vous montre quand même les personnes pour bien savoir où elles sont. Donc voilà, je vous montre un peu. On va plutôt aller de l'autre côté pour que je vous montre où est-ce que c'est exactement. Enfin, c'est la zone est petite, hein, c'est vers là. Hein. Voilà, dans la fontaine du secteur 8. Hein. C'est tout simple. Donc maintenant on va chercher la prochaine personne. Je sais plus trop où elle est. Je vais faire des ellipses à chaque fois pour que ça passe un peu plus vite. Pour pas vous faire tout le trajet. C'est ça qui est sympa avec la vidéo. Voilà. Donc à tout de suite. Donc voilà. Elle aussi on lui avait déjà parlé me semble-t-il. Je sais plus si on lui a déjà parlé. Si on connaît un homme qui monte un chocobo noir. Il fallait lui répondre si qu'on savait qui c'était. Et normalement, c'est fait et on débloque une mission aussi. Je sais plus comment elle s'appelle par contre. Donc là, c'est vraiment la partie annexe. Mais je pense qu'après, quand j'aurai fait tous les chariots possibles, on finira ce chapitre-là. Hein. Et je ferai les missions de Zack Chasseur Materia dans des assez anonymes, je ferai plus tard. Et donc là, c'est dans... je ne sais plus... Voilà, c'est dans projet de recherche sur les monstres. Mon ami de garde, donc c'est pour la mission rumeur gênante. Voilà. Donc maintenant, on va chercher la troisième personne que je n'ai pas la mission. Hein, comme vous avez pu le voir. Donc à tout de suite. Donc voilà, là nous sommes dans le marché de Tony du secteur 5 pour parler à cette petite fille. Je suis contente que vous ayez retrouvé votre portefeuille. Pardon de ne pas avoir pu vous aider plus que ça. Mais je vais me racheter. Vous voulez que je vous dise un secret? Il y a beaucoup d'horribles monstres autour de Midgar ces derniers jours. Je me suis lié d'amitié avec un voyageur qui vient de Calm et voilà ce qu'il m'a dit. Qu'il avait parcouru le monde entier mais qu'il n'avait jamais vu autant de monstres ailleurs. Donc là ça a débloqué une mission. D'ailleurs comme il y a un point de sauvegarde pas loin on va aller voir ce que c'est. Projet de recherche sur les monstres, monstres à Midgar, donc vu dans le secteur 5. Donc voilà, j'aurais déjà parlé avec les personnes, il me manque juste la dernière maintenant. Mais comme ça, vous savez où se chercher pour cette mission-là, pour si vous voulez faire la quête des roues, enfin des chariots d'Aeris, ben comme ça, vous saurez comment faire. Même si, comme je vous l'ai dit, je ferai pas toutes les missions, genre tous les annexes, juste ce qui me plaît, voilà. Donc là, on va chercher la quatrième personne, donc à tout de suite. Donc voilà, la quatrième personne qui est aussi une petite fille identique à la précédente, hein.
et que je lui ai jamais déjà parlé. Mon oncle est très gentil. Quand je lui ai dit que je voulais me marier avec lui, la souris, il a dit d'accord. Ouais, c'est ça qui débloque une quête dans la section Mon Famingar. Ouais, comme j'ai dit, je crois pas qu'il faut faire toutes les missions. Enfin bon, je verrai bien en temps voulu. Donc voilà, ça a débloqué la quatrième mission qui je sais plus comment ça s'appelle. On va aller voir ça tout de suite. Non, c'est pas là, c'est dans projet de recherche sur les monstres. Donc là, c'est la défense est audible. Maintenant, on va chercher pour la route fermée. Même si on l'a déjà, mais pour voir qui c'est qui nous la donne. Donc, à tout de suite. Donc, voilà la cinquième personne. Hein. Le site du nouveau réacteur Mako est une petite ville de campagne, chef. Les habitants sont des clients de la compagnie Shinra, chef. C'est pour ça qu'on a envoyé des escortes, chef. Donc voilà. Et il nous débloque la mission route fermée. Et j'ai vu qu'en fait, il fallait vraiment faire toutes les missions pour débloquer vraiment l'objet pour construire. Pour avoir le dernier objet pour construire le deuxième chariot. On va parler à lui. C'est lui qui donne la dernière mission, je crois. Que fait un scientifique dans ce genre d'endroit? Vos autres marionnettes du département scientifique n'avaient pas le droit de me parler. Marionnette? Vous avez dit marionnette? J'espère que vous ne parlez pas de soldat. Ce n'est pas comme ça que vous allez m'impressionner. Vous n'avez rien à offrir, à part vos muscles. Hé, nous nous battons partout dans le monde pour protéger Midgar, vous y compris. Mon rôle est plus important que celui d'un nerd d'autre genre qui reste assis derrière son bureau toute la journée. Laissez-moi vous poser une question. Allez-y, pourquoi êtes-vous ici? Hein? Zach, tu as une minute? Qu'est-ce qui se passe? Tu es au courant de l'apparition de monstres à Midgar et à Calme? Bien sûr, tout le monde en parle. Apparemment, ces monstres appartenaient au département scientifique et servaient de cobayes. Vraiment? Tu veux dire que ces monstres sont échappés des cages de la Shinra? Franchement, tu penses que ces monstres auraient pu contrôler la sécurité de la tour toute seule? Alors, ça veut dire que la compagnie a décidé de couvrir cette affaire en envoyant des membres de soldats neutraliser ces monstres. Il se pourrait que tu sois appelé aussi, mais garde ça pour toi, ok? Ok, ça marche. Des monstres de la Shinra? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Donc là, je crois qu'on a débloqué une autre mission et apparemment, ouais, faut toutes les faire. Bon, que je ferai ça bien sûr en off. Voilà, on va faire toutes les missions et je crois qu'il faut reparler aux scientifiques qui va se trouver au même endroit pour avoir l'objet, me semble-t-il. Donc, voilà, nouvelle mission disponible. Donc, je vais faire toutes les missions. Et je retrouve une fois que c'est fait pour débloquer le dernier objet pour construire le deuxième chariot d'Iris. Voilà. Voilà, j'ai fait toutes les missions. On va voir s'il va nous donner le dernier élément pour le deuxième chariot. Pourquoi est-ce que les membres des soldats continuent de risquer leur vie au combat? À leur place, je ne supporterai pas l'idée de devoir me battre pour la Shinra. J'avoue qu'il m'arrive parfois d'en avoir assez de devoir obéir à la compagnie, mais... Avez-vous déjà entendu parler du terme Cetra? Cetra? Non, jamais. Les Cetra retourneront sur la Terre Promise, une terre leur promettant le bonheur éternel. On raconte que cette Terre Promise serait fertile et déborderait d'énergie Mako. Si nous nous en emparons, nous aurons toute l'énergie qu'il nous faut sans avoir besoin de réacteur Mako. On pense que ces traces savent où se trouve cette merveilleuse terre promise. C'est un conte de fées, si vous voulez mon avis. Ah oui, le département scientifique a pourtant investi beaucoup d'argent dans l'étude de ce conte de fées. Et même fait les pires sacrifices. Je ne comprends pas. De quoi vous parlez? Je veux dire que... La Shinra mérite de disparaître. Je vous cherchais, professeur. Vous êtes en état d'arrestation. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Nous savons que c'est lui qui a libéré les cobayes du laboratoire de professeur Ojo. Il voulait qu'ils attaquent Midgar. Mais pourquoi vouloir faire ça? Les recherches du département scientifique sont une aberration. L'heure est venue de payer pour nos péchés. Rien de plus, rien de moins. Vous dites n'importe quoi! Vous voulez détruire Midgar pour acheter vos péchés?
Nous avons même sacrifié Ifalna, la dernière Cétra en vie. Et rien que pour ça, nous pourrions détruire Midgar deux fois, que ce ne serait pas encore assez. C'était le numéro 2 du département scientifique, après le professeur Ojo. C'était quelqu'un de très respecté. Que lui est-il arrivé? Et voilà, les outils en mithril. Donc je vous passais tout le chemin hein, pour revenir à l'église Aeris. Donc à tout de suite pour l'église étonnée. Voilà, donc je suis dans l'église, j'ai reçu un message. Oh, voilà. Ils ont beaucoup investi d'argent, voilà, c'est bien, bon, on s'en fout. Donc voilà, on va pouvoir construire le deuxième chariot et passer au troisième, qui, rassurez-vous, est beaucoup plus simple. Hein. Ça sera beaucoup plus rapidement, ne vous inquiétez pas. Il y en a encore un autre, il me semble, de ce que j'ai vu, oui, il y en a trois. J'avais déjà fait les trois. Je vais se profiter de la musique et tout, ça, elle est énorme. Don't worry about Aerith. Protecting the subject is part of surveillance duty. You're the only one I can depend on. Hey, why are you laughing? I'm counting on you. Ouais, j'avais oublié qu'il y avait une autre scène. Ce qui fait qu'ils m'ont ramené à la tour Chidra. Donc on va devoir refaire le chemin pour revenir à l'église pour reconstruire notre chariot. Je suis désolé, bon heureusement qu'il y a l'ellipse magique. Donc à tout de suite. Voilà, on est revenu, on va pouvoir construire un nouveau chariot. Heureusement qu'il y a aussi la fonction accélération, parce que ça aide à aller bien vite. Et voilà, on va pouvoir construire un nouveau chariot à fleurs, sauf que là c'est totalement pas obligatoire. Hein. Mais je le fais parce que j'ai envie.
Qu'est-ce que tu en penses, Iris? Tu veux qu'il soit encore plus joli, c'est ça? Je le trouve pas mal, celui-là. J'aime beaucoup celui-là. C'est le plus beau de tous. Eh ouais! Ok, sortons d'ici et allons vendre des fleurs. Il est vraiment nickel, moi je l'adore. Dis, tu crois qu'on va vendre beaucoup de fleurs? Bienvenue. Wow, Zach, les fleurs marchent du tonnerre. Je l'avais dit, pas vrai? À ce train-là, le chariot sera bientôt vide. Oh, qu'elles sont belles ces fleurs. Bien sûr qu'elles sont belles. C'est Iris qui les a fait pousser avec amour. Vraiment? Ce serait magnifique de voir des fleurs partout dans les taudis. Oui, c'est notre rêve, à Iris et à moi. Mais pas dans les taudis, on veut remplir tout Midgard de fleurs. Si elles arrivent à pousser à la lumière du soleil, je parie qu'il y en aura dans tout Midgard. Donc voilà, maintenant on va récolter, on va faire ça, on va finir ce chapitre dans cet épisode. Donc je vais retourner à la Tour Shinra, tout va se passer à la Tour Shinra, ce sera que à la Tour Shinra. Je préfère faire par étapes, c'est vrai que j'aurais pu faire en même temps, mais je préfère faire les choses, je vais refaire tel truc. Pour ce chariot là, c'était beaucoup plus long que le chariot qu'on va faire là. Donc voilà, on va se retrouver à la Tour Shinra, donc à tout de suite. Donc voilà, nous sommes de retour dans la Tour Shinra, devant la salle d'entraînement, parce que c'est ici que tout va se passer. Si je me trompe pas... Attends, je sais plus comment ça se... On va parler au mec. Donc c'est un concours d'accroupissement. L'activité préférée de Zach. Donc j'y arrivais bien à l'époque. Il suffit d'appuyer sur croix au bon moment. Et le bon moment, c'est quand ça fait le petit bruit de validation. Et Zach va beaucoup plus vite au fur et à mesure. Ah, j'ai raté. Mais on est à 21. Donc c'est pas si grave. Surtout qu'il se loupe beaucoup. Ah, je me suis loupé. Ah. Il y a des moments où j'ai plus le timing. Si c'est qu'une question de timing, faut vraiment attendre le bon moment. Où il est accroupi. Et voilà. Cette performance est digne d'un membre du soldat, chef. 43 accroupissements. Et voilà, on a le plan du chariot Shinra. Attends, je crois qu'il faut... Ah là, c'est une unité d'infanterie supérieure, là. Ah, je me suis loupé. Si ça va très vite.
Ah bah, si je me loupe là, ça va pas le faire. Pour trouver le timing, c'est vraiment au feeling hein, pour moi. Hein. Ah, j'en ai fait 49 cette fois. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Est-ce que si je réessaye, est-ce que c'est le même? Ah non. Donc je peux directement faire comme ça. D'accord, j'étais pas sûr. Bon, je me suis un peu fail, mais même si vous failez, à côté il peut se fail aussi. Contrairement à Zach, il ne peut pas aller plus vite, parce que Zach, à un moment, il fait sa chauffe, il va beaucoup plus vite, ce qui fait qu'il peut enchaîner plus rapidement les accomplissements. Donc bien sûr, c'est plus dur de les faire, c'est pour ça que je me fail un peu, parce que des fois j'appuie vraiment un peu en avance, ce genre de truc. Mais c'est pas forcément évident, mais c'est pas très compliqué, je suis pas forcément quelqu'un qui est super en rythme et tout. Et j'y arrive, donc c'est pas forcément le plus compliqué. On a eu les rouges Shinra, maintenant c'est le dernier. Ah, il m'a rattrapé! Ah zut! Ah le con! J'ai pas pué! Ah, j'ai perdu. Ah, mais j'avais 3 puées là. Je fais n'importe quoi, désolé. Ah, il a fait 52, il m'a niqué là. Je prends un coup d'eau. Parce que là, je me suis fait il y a plusieurs moments. Et lui, il enchaîne bien. C'est le dernier en même temps. Ah, j'appuie trop, ouais. Hop. Je quitte, j'ai fait n'importe quoi là.
C'est en fait j'appuie trop sur le bouton croix, je suis tellement à fond, j'appuie trop. Ce qui fait que ça le valide pas. Hein. Bon, je reviens quand j'aurai un peu plus avancé, quand j'aurai réussi pour pas perdre trop de temps. En cas tout de suite. J'ai gagné. J'ai battu mon record. C'était pas facile, je me suis un peu fail, mais disons que ce qui m'a sauvé, c'est qu'à un moment quand j'étais à fond au niveau de la vitesse d'accomplissement, mais j'ai bien enchaîné, ce que j'ai pu prendre un peu d'avance. Mais on peut pas avoir une grosse avance avec lui parce que lui directement en fait dès le début, ce qui est le plus dur en fait c'est que si vous restez vraiment avec la vitesse du début, vous ne pourrez jamais gagner parce que lui il va un peu plus vite. Donc vous devez forcément être au moins au deuxième niveau, voire troisième niveau de vitesse d'accomplissement. Donc c'est pas évident. Mais j'ai mieux réussi quand je n'ai pas enregistré. Donc voilà. Après voilà, faut s'entraîner et réussir à trouver vraiment le bon timing. Enfin vous trouvez vraiment le bon timing, il n'y a pas vraiment de secret, c'est faut trouver son timing. Et d'appuyer au bon moment. Bon, ce qui est des accomplissements, vous êtes imbattable. Je suis très impressionné. Et j'ai fait 56 accomplissements. Donc j'ai battu mon record. Et on a la soudure Shinra. Est-ce qu'il y a un autre... Non. On va pouvoir quitter. C'était juste pour voir s'il n'y avait pas de soldats de première classe, au cas où. Donc là, c'est pas évident, mais j'ai réussi. Bah, j'ai réussi dès que j'ai coupé, en fait. Hein. Donc, en fait, à chaque fois, je sais pas que je jouais vraiment comme une merde, enfin, si un peu. Mais c'est surtout quoi, j'étais assez proche quand même. Mais c'est vrai qu'il faut maintenir un rythme, sinon ça passe pas. Les autres ça va à peu près, vous pouvez vous failer un peu, ils ont pas une grosse avance, mais lui il va vite. Donc on va aller à l'église et finir cette quête des chariots à fleurs. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, je suis retour dans l'église détruite du secteur 5 pour construire l'ultime chariot. Et en finir avec cette quête. Qui n'a pas été de tout repos.
Donc voilà, les petites scènes marrantes. Là on va conclure, je sais pas quelle durée fait cet épisode en tout, avec toutes les parties. On va se finir le chapitre 8 avec l'ultime scène qui va conclure ce chapitre. Voilà, je ne ferai pas d'autres quêtes annexes. Je ne ferai pas d'émission pour la saison anonyme. Je ferai ça un peu plus tard. Je me suis dit, bon, on a déjà fait pas mal. On va un petit peu arrêter et continuer un peu l'histoire. Pour pas en faire trop, j'en ferai un moment où il se passera pas grand chose. Donc voilà. On se retrouve à la Tour Shinra pour finir le chapitre 8. Voilà, donc on est devant Kunzel qui va nous permettre de finir le chapitre 8. Hein. Voilà, on dit qu'on n'a aucun regret et on va pouvoir conclure ce chapitre enfin. Et la suite va être intéressante. What's up? I'm having a little trouble. Rounding up the group. We're in a hurry. Let's move it. Sir. What? Cloud? Together again, huh? All right. Thanks. Hold on. I'll get everyone. By the way, where are we going? To Nibelheim. Ah, voilà qui est intéressant. Notre destination, le fameux réacteur Mako qu'on nous parlait, qu'on devait inspecter parce qu'il y aurait des monstres et tout et tout. Eh bien, c'est celui de Nibelheim, hein, qu'on connaît très bien. Et donc là, ça va vraiment être un truc de ouf. J'ai hâte d'y être. On va sauvegarder ici. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette deuxième partie du Chariot à Fleurs, donc l'épisode 19 de Crisis Core. Épisode 20, on va commencer le chapitre 9. Et ça va envoyer du lourd. Donc voilà. Merci à tous, et je vous dis à la prochaine.